Les policiers déguisés en enseignants. Venez manifester ici, monsieur policier. Venez manifester ici, monsieur policier. Pas de reprise de cours au lycée classique et moderne de Garoua en ce début de semaine. Alors que l'établissement est ceinturé par les forces de sécurité depuis ce lundi, plusieurs enseignants du lycée et autres venus des établissements secondaires environnants s'insurgent contre la suspension des salaires de 10 de leurs collègues par Jean Abate Eddy, gouverneur de la région du Nord. Si l'autorité administrative a convoqué le motif de manquement à l'éthique et à la déontologie professionnelle dans une série d'arrêtés pris fin octobre dernier, le corps syndical enseignant quant à lui dénonce une décision illégale et une atteinte à la dignité de la profession d'enseignant. Est-ce que cela relève du gouverneur cette décision de suspendre le salaire? Non. D'après le statut général de la fonction publique, la suspension du salaire d'un fonctionnaire relève de son ministre utilisateur ou bien du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Ce qui fait donc que globalement, nous constatons bien que le gouverneur n'est pas bien placé pour suspendre le salaire des fonctionnaires tel que cela s'est passé là. L'affaire suscite des vives réactions au sein de la communauté éducative nationale. Certains enseignants membres du mouvement OTS On a trop supporté dénoncent pancarte à la main des mesures qu'ils qualifient d'arbitraires et injustifiées. Non à la suspension du salaire à qui que ce soit. La grève est légale et légitime. OTS jusqu'à la... La grève des enseignants se durcit ainsi alors qu'on franchit la dernière ligne droite du premier trimestre. Le gouvernement, quant à lui, peine toujours à trouver la bonne formule pour résoudre cette crise. Et à Garoua, la situation reste confuse.